Après tout, j'avais décidé en 2017, de façon publique, ici même, et sans que personne m'y oblige, d'arrêter cette forme de pensée publique, cette forme de pensée en plein air, que je pratiquais depuis, on va dire, un peu plus de 50 ans. Si je le fais en public, sans vraie sanction académique, hors programme et devant une assistance librement constituée de volontaires, j'avais vu au moins cette formule dès mes débuts au collège universitaire de Reims, au fil des années 60, du dernier siècle, quand j'étais un jeune homme d'une trentaine d'années. Alors, à l'occasion de l'anniversaire de ma 80e année, j'ai raisonnablement décidé de me retirer, de ne plus continuer à tenter, si Dieu, de réaliser le programme de Socrate et de Platon, à savoir corrompre la jeunesse. Mais voici que la situation du monde, la situation de mon pays, la France, me semble si opaque, si peu encourageante, si propre à engendrer en fait des nihilismes inutiles, des nationalismes meurtriers, des habitudes de délation publique ou des idéologies informes, que je dis qu'il faut en tout cas parler, questionner, tenter d'éclairer à la mesure, bien sûr, de ce qui reste de mes moyens. Il s'agirait, vous voyez, d'éclairer la dérive insensée où nous-mêmes petit ou grand train, les lois rigides qui organisent les sociétés contemporaines. En somme, c'est à la situation nationale et mondiale que vous et moi devons les modestes séances que je lance aujourd'hui. C'est bien pourquoi je fais de cette situation le titre même de mon entreprise de parole, comment vivre et penser dans un monde livré à une totale désorientation. Que je puisse reprendre ainsi la parole après 4 ans d'arrêt, et alors que je vais avoir dans quelques mois l'âge tout à fait respectable de 85 ans, je le dois tout d'abord, il faut le dire, au théâtre de la Commune, et je veux ici remercier évidemment la directrice Marie-Louise de Bernis, mais en vérité tous ceux qui travaillent ici, qui font vivre cette institution, et d'autant plus que je m'introduis ici comme une sorte de supplément, le lundi, qui est traditionnellement un jour de repos des activités de théâtre. Alors merci vivement à tous ceux qui font que je puisse être en public une sorte de contrebandier philosophe. Et bien entendu, vous tous, vous êtes ici, vous êtes complices de cette contrebande, qui vise en fait à importer des matériaux intellectuels pour tenter de penser et de changer la situation de départ. Et je dois aussi vous remercier, toutes et tous, sans lesquels la notion même d'enseignement et le mot de séminaire n'a en aucun sens. Enfin, comme vous le savez, les années antérieures à 2017 de mon séminaire ont été publiées par les éditions Fayard en 15 volumes. Et après tout, c'est aussi cette œuvre que je continue ici avec les forces qui me restent. Et je veux saluer au passage les éditions Fayard, symbolisées par leur directrice Sophie de Closet, et le parfait travail de ceux et de celles qui ont transcrit et préparé un travail gigantesque en vérité, mes interventions, nommément Isabelle Vaudoz, Véronique Pinault et Diane Feyel. Et mes remerciements doivent aussi aller finalement à la
la misérable situation de la politique dans le monde contemporain. En effet, c'est le tort fait à la vraie politique que je range, vous le savez, avec la science, l'art et l'amour au rang des procédures de vérité. C'est ce tort qui me pousse à remettre en route ma machinerie publique. Mais de cet abaissement contemporain de la politique, il faut parler en détail, nous le ferons, et en même temps, il faut tenter de construire la possibilité, au-delà des négations, protestations, virulences critiques, qui sont indispensables, mais souvent stériles aussi, la possibilité, oui, d'une affirmation portant sur de nouvelles lois du monde social, économique et politique. Ce que j'appelle, moi, vu l'honorable élève du vieux Platon autant que de Marx, ce que j'appelle une idée. Et plus précisément, une idée de ce que peut et doit être l'idée d'une vraie politique, à la lumière, si j'ose dire, de sa présente disparition. Alors pour en arriver là, mon approche sera au début délicatement indirecte, elle inventera peu à peu sa vraie direction. Je le ferai en 9 étapes, une par mois, dont je vous rappelle les dates. D'abord, toutes ces dates sont des lundis à 20h, comme aujourd'hui lundi 4 octobre, et nous aurons ensuite en 2021 le 8 novembre et le 6 décembre, 8 novembre et 6 décembre, et en 2022, le 17 janvier, il me touche beaucoup le 17 janvier parce que j'aurai ce jour-là devant vous, si je puis dire, 85 ans. Puis le 7 février, le 7 mars, le 11 avril, le 9 mai et le 13 juin. Alors mon thème central, je le répète, est et sera la désorientation implacable de l'humanité au vu de la disparition de toute politique visant à sa désaliénation. Sa désaliénation au regard des lois du marché, lesquelles réduisent l'existence à la dialectique du travail et de la marchandise. Ou qui la réduit, si vous voulez, au triptyque qui a donné son titre à un fameux essai de Marx, salaire, prix et profit. En ce sens, je suis dans la ligne de mon séminaire d'il y a 14 ans, c'est une fidélité qui en vaut. Le séminaire avait en effet pour titre s'orienter dans la pensée, s'orienter dans l'existence. Il portait déjà un diagnostic de désorientation, notamment de désorientation de la politique. Mais mon approche aujourd'hui se fera en douceur. Bien sûr, je partirai de quelques évidences banales, au fond de quelques axiomes auxquels vous pouvez consentir, mais je les relèverai aujourd'hui par un recours systématique à la poésie, de la grande poésie que je mettrai au service, comme en fait la grande poésie l'est toujours, au service du projet de s'orienter dans l'existence comme dans la pensée. Alors je partirai aujourd'hui d'une conviction absolument banale, reconnue banale. La structure économico-sociale dominante, aujourd'hui installée à l'échelle du monde, est le capitalisme. Tout le monde ou presque en convient, mais ce qui est surprenant, c'est plutôt la faiblesse des conséquences tirées de cette évidence. Et cette faiblesse se voit en clair, à mon avis, par 3 formules partout répandues et auxquelles
presse fait un peu constamment écho. Alors, la première de ces formules consiste à répéter que le capitalisme, de toute façon, est en crise très grave, et de faire par conséquent comme s'il ne restait qu'à attendre sa chute. Alors, il faut bien reconnaître qu'une variante écologique est que, là encore, de toute façon, comme ce qui va arriver est la mort de la planète, la question du capitalisme, après tout, devient secondaire. Comme l'a dit dans sa sagesse d'enfant la petite Greta, héritière des jeunes saintes qui, au Moyen-Âge, mettaient en garde contre la fin du monde décidée par Dieu, il vaut mieux, dans cette circonstance apocalyptique, ne pas employer le mot capitalisme qui fait vieillot et qui nous divise. La seconde formule consiste à penser que ce qui est mauvais n'est pas tant le capitalisme comme tel, mais sa variante contemporaine, présentée comme une invention funeste, et qui a été nommée, au bout du compte, comme vous le savez, libéralisme autoritaire. Cette appellation, à mon avis, ignore l'évidence. L'imposition planétaire du capitalisme s'est, dès le XVIIIe siècle, réclamée du libéralisme. La maxime des tout premiers partisans d'un capitalisme libéré était alors « laissez passer, laissez faire ». Donc le libéralisme est tout sauf une invention. On peut le considérer comme le nom le plus originaire du capitalisme lui-même. Et quant au capitalisme, pour ce qui est d'être autoritaire, il l'a été sans la moindre réticence, massacrant quand il le fallait les ouvriers révoltés et les colonisés soulevés, et traitant les conflits entre les puissances impériales par des guerres où mouraient tout de même des dizaines de millions de gens. La démocratie, tant vantée, n'a jamais été, comme Marx l'a vu tout de suite, dès l'origine, que le règne vaguement camouflé de ce qu'il appelait des fondés de pouvoir du capital. Alors l'invention d'un ennemi fantoche sous le nom de libéralisme autoritaire semble uniquement avoir pour but que voulant sauver la démocratie contre l'autoritarisme et les lois du marché contre le libéralisme, on aboutisse finalement à une sorte de nostalgie factice de ce que j'appellerais un capitalisme à visage humain. Et la troisième formule, c'est évidemment un accord très large, qui a des raisons historiques sérieuses, lui, autour de la conviction qu'en tout cas le communisme n'est pas souhaitable. Bien qu'il ait été, à échelle historique, la seule tentative organisée de sortir de la dictature du capital et de ses servants parlementaires, qu'aujourd'hui, en tout cas, rien n'indique qu'une autre voie pour le même but soit ouverte. Mais l'accord est presque général autour de la conviction que cette hypothèse n'est plus souhaitable. Alors, ce qui m'intéresse alors, comme point de départ de ce séminaire, c'est la question suivante. Quelles sont les médiations idéologiques dominantes qui permettent au capitalisme et à ses servants, de tout poil, d'entretenir un climat finalement aussi favorable? Que nous est-il demandé? Demandons-nous ce qui nous est demandé d'être pour le salut de l'ordre commercial planétaire, pour que nous soyons prêts à le tolérer sans faire trop d'histoire à la faveur de sa considération comme un moindre mal. Alors, je crois là, et c'est évidemment l'hypothèse peut-être la plus importante que je vais faire devant vous, je crois que la clé est tout simplement de désirer être, ou en vérité, de pouvoir imaginer que nous sommes de libres individus. De ce culte du « je suis moi »
et je resterai moi, ou encore du désir enragé que soient reconnues mes libertés, le capitalisme dominant n'a pas grand-chose à redouter. Mais oui, nous sommes en démocratie, que diable, va-t-il répondre. Vous êtes de libres citoyens, d'honnêtes consommateurs de nos marchandises. Vous ne songez plus une seule seconde que la propriété privée est une mauvaise chose. Le Marx y écrit dans le manifeste que son seul mot d'ordre est en définitive la suppression de la propriété privée, n'intéresse en fait nullement l'individu et ses libertés, pourvu quand même qu'il puisse être un consommateur honorable, ce à quoi ses libertés d'individu ne peuvent pas objecter. Je ne m'attarderai pas sur ce point, mais il me semble que les récentes manifestations contre la vaccination et contre le pass sanitaire sont imprégnées de cette idéologie portative. Contre le pauvre Macron, qui s'exténue à faire son devoir de fantoche politique d'un capital en voie de concentration planétaire, on reproche non pas cette stratégie de fonder des pouvoirs, non, on le reproche qu'en voulant vacciner tout le monde, il se montre tyrannique. Alors que franchement, depuis le XVIIIe siècle, on sait que seule une vaccination générale peut faire disparaître les épidémies virales. Et que ça a été étudié à grande échelle dans les innombrables vaccinations obligatoires que les sociétés avancées ont instaurées, à commencer par la nôtre, qui a rendu obligatoire plus de 10 vaccins différents. Alors, à vrai dire, ce que je pense, c'est que l'individu malade de ses minuscules libertés se moque de ce genre de considération. Je suis moi, et c'est moi qui dois décider si oui ou non on me pique l'épaule. Pour sauver d'autres gens qui m'indiffèrent très naturellement, puisque leur grave défaut est de n'être pas moi. C'est le premier point à examiner, je crois. Que vaut l'obsession individualiste qui, en tout cas, va dans le sens de la rivalité et de la concurrence qui constituent les moyens ordinaires de la concentration du capital entre les mains d'une oligarchie très restreinte et planétaire. Alors, par ailleurs, constatez ceci, pour autant que le libre individu est au centre de tout, son rapport à la société n'est pas un vrai rapport aux autres, mais bien plutôt un rapport de mendiant de l'État et de la classe que cet État représente. Au fond, être un individu, c'est avant tout une identité abstraite, dont l'État a d'ailleurs fait une carte, n'est-ce pas, carte d'identité, et qui peut tout exiger, l'État, y compris la mort, dans le non-sens des guerres nationales. Enfin, dernière remarque, sous le nom de communisme, un mouvement politique, à un moment donné de l'histoire, s'est dressé, et cela contre l'égocentrisme, puisque la racine du mot communisme est dans l'adjectif commun, ce qui est commun à tous, ce qui doit être commun à tous. Il s'en est pris aussi, ce mouvement, à l'État identitaire, à l'homme comme encarté nationalement. Mais il faut le reconnaître, ce mouvement a oscillé entre, d'une part, un mauvais partage pseudo-démocratique de l'État, sous la forme en particulier de la participation aux élections et de ce qu'on appelait légitimement le crétinisme parlementaire, et d'autre part, une mystique impuissante de la négation destructrice. Il n'a pas su rallier la jeunesse à une dialectique serrée entre l'affirmation première d'un monde nouveau, libéré de la dictature individualiste et du culte des petites libertés, et par ailleurs d'inévitables violences
situé de façon nécessaire dans le service de cette affirmation. Au regard de tout cela, finalement qui gravite autour du culte de l'individu comme prescription centrale de l'ordre capitaliste, je voudrais interroger et citer trois poètes. Trois poètes qui ont, en d'états différents, traité de ces trois difficultés pour en finir avec le capital. La première, Emily Dickinson, s'est élevée contre les prétentions de l'individualisme libéral. Elle a enchanté poétiquement l'impersonnalité. Un autre poète, Bertolt Brecht, a fait se lever la vie et l'universalité contre l'étatisme, en montrant que l'État combine toujours la mort et l'identité. Et un troisième poète, Pier Paolo Pasolini, a restitué contre un communisme oublieux et asséché la dialectique créatrice entre l'affirmation libre et la négation nécessaire pour que naisse un monde nouveau. Alors, mon propos vise à exalter la profondeur prophétique de trois poèmes qui chantent, qui exaltent l'impersonnalité contre l'individualisme, le lien de la vie concrète et de l'universel et la négation active au service de l'affirmation neuve. Poète qui ainsi donne forme à trois maximes abstraites de ce que, en bon platonicien, je nomme l'idée communiste, idée avec un I majuscule, je vous en prie. Et qui le font en trois langues distinctes, l'anglais, l'allemand et l'italien, à quoi je vais donc ajouter une dose convenable de français. Commençons par Emily Dickinson. Emily Dickinson, un jour, au milieu du XIXe siècle. Vous savez, au XIXe siècle, le monstre individualisme est déjà gros et grand, mais au moins dans les hideux faubourgs des grandes villes de Londres, rôde, maigre et volontaire, l'ennemi ouvrier. Ce premier communiste, sans le savoir, reprend depuis sa solitude au tout début d'un poème de 8 vers, un immense poème de 8 vers, comme le sont d'ailleurs tant d'éclairs langagiers de cette poétesse extraordinaire qu'est Emily Dickinson, donc reprend ce supposé individu, dont vous allez voir qu'il ne l'est pas, l'énoncé mythique d'Ulysse, « I am nobody ». Je suis personne. Entendez-le en entier, ce début de poème, dans mon mauvais anglais, qu'il faut tout de même reconnaître dans sa musique. I am nobody. Who are you? Are you nobody too? Then there is a pair of us. Don't tell. They banish us, you know. Alors vous voyez, ce qui est très remarquable, c'est que l'affirmation à la Ulysse, I am nobody, je suis personne, n'est là que pour ouvrir à une question adressée à on ne sait qui, et qui donc est adressée à l'humanité générique, où are you? Qui êtes-vous? Et la réponse tout à fait surprenante est que celui ou celle à qui s'adresse la question doit être supposé personne, elle aussi. Et le second vers concentre cette découverte.
Are you nobody? Too? Êtes-vous personne aussi? Nous avons là une interrogation d'une grande importance. Si je parviens à pouvoir dire que je suis personne, si je parviens à oublier l'impératif narcissique, ce n'est pas pour me sauver, moi, ou pour jouir d'être anonyme, c'est immédiatement pour interroger l'autre, afin de bâtir, si possible, une communauté des anonymes, ce qui veut dire outrepasser l'individu, non pas vers la jouissance d'un retrait, mais vers la construction d'une humanité générique, fondée au contraire sur l'absence de l'individualité égoïste. Cette construction d'une humanité générique et égalitaire est donc ce qui s'infère, ce qui se déduit de l'interrogation autour de « I am nobody » qu'organise poétiquement Emily Dickinson. Le troisième vers répond elliptiquement à la question que pose le deuxième. L'individu auquel personne a demandé abruptement qui il était a bel et bien répondu qu'il était lui aussi personne. Ce dont se réjouit le premier anonyme en ces termes, « Ah, there is a pair of us. Donc nous faisons la paire. » Paire, évidemment, est le symbole du début d'une humanité tout entière. Une humanité tout entière, faire de millions de personnes personnes. Voilà une mise à mal bien engagée du fétiche identitaire de type individualiste, qu'en supprimant leur nom propre, deux individus s'identifient réciproquement comme personnes, donc comme membres de l'humanité, dont la singularité nominale ou de provenance désormais importe peu. Et si intense, à vrai dire, cette réciprocité anonyme, qu'elle pourrait bien être dangereuse. Dans le monde de l'individualisme exacerbé, s'approcher ainsi sous le drapeau du sans-nom est un risque dont il faut tirer la leçon. Don't tell, they banish us, you know. Ne dites rien, ils nous expulseraient. Vous savez bien. Notons que déjà, le premier personne suppose que le second sait ce qu'il en coûte de se soustraire au fétichisme du moi et de se promener dans la patrie de l'individualisme sous le couvert de l'anonymat. Ils vont nous expulser. Réfléchissons au fait que ce désir d'expulsion de ceux qu'on considère comme personne, parce qu'ils n'ont pas peut-être le nom propre français qui convient, n'oublions pas que c'est une des données pourri de notre politique aujourd'hui même et que des candidatures se présentent dont le seul programme est de dire que quiconque et personne doit être chassé. Récapitulons ce second quatrain en français. Je suis personne. Qui êtes-vous? Êtes-vous personne? Vous aussi. Mais alors, c'est une paire, nous. Pas à vous, vous le savez, ils nous expulseraient. Le second quatrain, tout entier, est constaté à dénoncer l'individu qui se sait tel et se vante d'être tel. Celui qui veut être seul sous son nom. Celui qui est lui-même avec ses petites libertés. C'est comme le récit de ce que, dans l'abri qu'ils ont trouvé, pour leur intense rencontre, les deux personnes de l'humanité se disent, à partir de la levée qu'ils opèrent, du fardeau d'être un individu singulier, nommé, placé, ils se disent ceci.
How dreary to be somebody! How public, like a frog, to tell one's name, the livelong June to an admiring bog. Alors, tentons aussitôt de traduire. Quelle monotonie être quelqu'un! Quelle vulgarité, comme une grenouille, dire son nom tout au long du juin vivant à une tourbière extasiée. Les deux personnes, personne avec un grand P, les deux personnes construisent leur accord comme celui d'une libération. Il était vraiment dur d'être quelqu'un, qu'il faille constamment dire son nom des frontières à la moindre rencontre, qu'il faille transporter partout sa carte d'identité, qu'il soit requis de se distinguer de tout autre individu, afin que soit sauf le fétiche contemporain. Quelle horreur! L'humanité ainsi désorientée, atomisée, chaque atome épinglé au monde par son nom propre, comme un insecte épinglé dans une boîte de collectionneur, quelle souffrance! Aussi, le poème se termine en disant « C'est l'été, c'est le juin vivant. Serons-nous chacun une grenouille qui coasse l'identité factice du moi ? Ou, à l'ombre des rencontres salvatrices, serons-nous des personnes qui confrontent amicalement l'aventure générale des vies humaines ?» Le choix d'Emily Dickinson est fait. Pas être un individu grenouille. Tentons que ce soit aussi le nôtre. Et sur cette base subjective d'une condamnation impitoyable des effets de l'individualisme, tournons-nous avec le second poète, Brecht, vers l'État, cette fois, le pouvoir et ses manifestations. Je partirai ici d'un poème écrit en 1927 par Bertolt Brecht, titré « Conseil à ceux d'en haut ». Brecht part du cérémonial collectif et étatique le plus connu au siècle dernier concernant la mort, la célébration du soldat inconnu, partout dans le monde. Durant toutes les années qui suivirent la boucherie de 14-18. Comme vous le savez, comme vous pouvez le voir dans n'importe quel cimetière d'une petite ville de province, après avoir fait massacrer des millions d'hommes dans la boue et la neige, pour un résultat si nul qu'il fallut recommencer en pire 20 ans après, les gouvernements des puissances impériales convièrent régulièrement les survivants à se prosterner, et ils le font encore, devant les restes d'un cadavre si abîmé que nul n'avait pu le reconnaître. Le mort anonyme du massacre. Alors le point sur lequel Brecht va méditer, c'est l'introduction dans le cérémonial nationaliste de l'adjectif « inconnu ». Il pose la question, pourquoi célébrer le soldat inconnu ? Et Brecht va nous le dire. Le soldat inconnu n'est tel qu'autant que la finitude nationale en capture les pauvres restes. Il devient ainsi, Volens Dolens, un inconnu parfaitement rangé dans les catégories de la finitude, un inconnu bien de chez nous, un inconnu dont la valeur tient strictement à la seule nationalité, comme au fait que c'est par passion pour sa nation, en vérité par obéissance aux ordres de l'État, qu'il est mort, explosé, déchiré, enterré dans la boue, sans qu'on puisse même identifier ce qui restait de lui. Alors le mot « inconnu », remarque Brecht, est ici contredit par cette insidieuse connaissance qu'on suppose partager de la valeur d'une identité nationale et impériale. C'est l'inconnu de cette nation, l'inconnu de cet empire. Le pauvre mort
déchiqueté et innommé, et prié d'incarner, face au drapeau de la cérémonie, qu'il est juste de mourir pour cette identité nationale. Inconnu désigne un corps d'autant plus voué à la célébration nationale, un corps dévoré par le pouvoir d'État, qu'il n'est nullement connu et reconnu, lui, à partir de son existence singulière, mais uniquement en tant qu'il symbolise l'identité nationale dans le registre de la mort, registre ici complice de la passion identitaire. Alors Brecht va nous présenter un tout autre inconnu, celui dont Marx avait très tôt annoncé que justement, lui, il n'avait pas de patrie. Les prolétaires n'ont pas de patrie. Qu'il était sans identité, qu'il incarnait ce que Marx appelait l'humanité générique, l'ouvrier de toutes les villes du monde. Il le décrit ainsi, Brecht, cet inconnu, qu'il convient d'opposer aux soldats, aux différents cultes de la mort. Un homme quelconque, extrait des mailles du trafic, dont on n'a pas vu le visage, pas aperçu l'être secret, pas entendu distinctement le nom. Et il le nomme l'ouvrier inconnu, l'ouvrier des grandes villes qui peuplent les continents. C'est à lui vivant, que nous devrions enfin rendre hommage. Ce que veut Brecht, c'est qu'on délie l'inconnu de toute identité autre qu'universelle. Ce serait l'internationaliser l'inconnu, l'arracher aux passions nationales mortifères. Ce serait relier inconnu à l'affirmation de l'humanité générique dans son trajet vers le communisme, au lieu de souder ce mot inconnu à la mort et aux ordres de l'État. Ce serait faire de millions de vivants inconnus la substance réelle de l'avenir et non le symbole crispé et décharné des rivalités entre États. Oui, la célébration de l'ouvrier inconnu pourrait être pour l'internationalisme ce que la fête de la Fédération a été pour la Révolution française, la conscience collective, organisée à un échelle mondiale de ce qu'un nouveau monde est à l'ordre du jour, dont le héros politique est en quelque manière ce n'importe qui que nul ne connaît, mais dont tous savent qu'il est la seule force dont on dispose pour que soit poursuivi construction du nouveau monde. Voici comment Brecht le dit. À tel homme, on devrait, dans notre intérêt à tous, rendre un hommage d'une particulière ampleur, avec une émission spéciale à l'ouvrier inconnu et un arrêt de travail de toute l'humanité sur l'ensemble. On voit qu'il n'y a pas seulement dans le passage du soldat inconnu à l'ouvrier inconnu la transformation d'un symbole identitaire fermé en une figure universelle, pas seulement le basculement dialectique du culte de la mort et du passé à celui de la vie et de l'avenir. Il y a aussi la restitution des actions populaires à leur destination véritable, à la fausse grève, à la fausse minute de silence imposée par l'État, se substitue l'idée d'une solidarité ouvrière mondiale, célébrant sa propre valeur générique. En vérité, à la finitude du trio mort, nation, État, se substitue par cette variation sur l'adjectif inconnu une infinité potentielle, dont ouvrier est le nom provisoire et qui est comme l'invention par l'humanité de sa vérité immanente. Enfin, Pasolini. Je partirai d'un fragment du long poème, un des plus importants de Pasolini, titré Vittoria, et publié en 1960. Ce fragment
raconte quelque chose de ce genre. Tout le monde, singulièrement aujourd'hui, dit que la politique doit être réaliste, que toutes les illusions idéologiques se sont révélées dangereuses ou sanglantes. Mais que veut dire le réel pour une politique? Le réel, c'est l'histoire. Le réel, c'est le devenir concret des luttes et de la négation. Mais, demande le poète, comment comprendre ou connaître l'histoire? Nous pouvons le faire en connaissant les lois de l'histoire, les grandes lois du devenir, telle est la leçon d'un certain marxisme. Ne peut-on cependant objecter que les lois de l'histoire sont les mêmes pour nous et pour nos ennemis? Si tel est le cas, comment distinguer la négation de l'approbation? Nous sommes dans une situation où la destruction ayant été supprimée, la soustraction elle-même, l'opposition, si l'on veut, devient complicité, comme dans le régime parlementaire où l'on sait qu'en général, le pouvoir et son opposition sont en fait fondamentalement d'accord sur le fait qu'on va continuer comme avant. Nous constatons alors que les supposés révolutionnaires, et bien entendu, Pasolini pense ici au Parti communiste italien installé dans le parlementarisme, les supposés révolutionnaires vont exactement là où Valéry, je cite Pasolini, ils vont exactement tous les deux là où l'on va sous la conduite de l'histoire. Quelle leur histoire à tous deux. Donc, dans ces conditions, l'espoir politique est impossible. Il en résulte que si les jeunes morts de la dernière guerre, ce jeune mort italien partisan dans la dernière guerre, mu qu'ils étaient par cet espoir, pouvaient voir la situation politique actuelle, ils refuseraient cette complicité. Ils ne pourraient pas accepter leur père politique, les dirigeants du Parti communiste, et ils deviendraient obligatoirement barbares et nihilistes, exactement comme les jeunes chômeurs des banlieues le sont aujourd'hui devenus. Voici le fragment essentiel du poème dans la traduction de José Guigny, où l'on voit la métaphore va être celle du rapport entre les pères qui sont au fond désormais complices du pouvoir, et les fils qui, délaissés par cette complicité avec le pouvoir, sont livrés à des révoltes barbares et stériles. Voici ce que dit Pasolini. Pas de politique sans réalisme, âme ouvrière avec ta délicate rage. Ne reconnais-tu pas une autre âme, donc, celle où il y a toute la prose de l'homme habile, du révolutionnaire qui s'attache à l'honnête homme moyen. Même la complicité avec les assassinats des années mères, époque du fascisme, se greffe sur le classicisme protecteur qui caractérise le communisme comme il faut. Ne reconnais-tu pas le cœur qui se fait l'esclave de son ennemi, qui va là où l'ennemi va, sous la conduite de l'histoire, qui est leur histoire à tous deux, et qui les rend au fond étrangement pareils? Ne reconnais-tu pas les craintes d'une conscience qui, luttant contre le monde, enregistre les règles de cette lutte au cours des siècles, comme sous l'effet d'un pessimisme ou sombre, pour y tremper sa virilité, l'espérance? Joyeuse de joie qui renie toute arrière-pensée, et cette armée aveugle dans l'aveugle soleil de jeunes morts qui viennent et qui attendent. Si leur père, leur chef, les laisse seuls dans la blancheur des monts, dans les paisibles plaines, absorbés en un mystérieux débat avec le pouvoir, enchaînés à sa dialectique, que l'histoire l'oblige à réformer sans trêve, alors, tout doucement, dans les cœurs barbares des fils, la haine fait place à l'amour de la haine, ne brûlant plus qu'en eux peu nombreux les élus. Ah,
désespoir qui ignore les codes, à anarchie, libre amour de sainteté avec tes chants altiers. Alors oui, ce poème, c'est un manifeste pour la vraie négation. Son motif capital est le suivant. Si la soustraction est séparée de la destruction, comme elle l'est au régime de la démocratie représentative et parlementaire, où on est d'accord que rien ne sera détruit, nous avons comme résultat, particulièrement dans la jeunesse, la haine et le désespoir. Le symbole de ce résultat est que les héros morts, les maquisards de la dernière guerre, morts, sont amenés à fusionner avec les ouvriers méprisés de nos banlieues, dans une sorte de figure terroriste ou antinationale. Mais si la destruction est séparée de la soustraction, comme elle l'est dans la prétention nihiliste de se passer de toute transmission de pensée rationnelle et de toute vérité, nous avons comme résultat aussi l'impossibilité de la politique, parce que les jeunes gens sont absorbés dans une sorte de suicide nihiliste collectif, lequel est sans pensée ni destination. Dans le premier cas, les pères, qui sont responsables de l'orientation politique émancipatrice, abandonnent leurs fils au nom du réel et du réalisme. Et dans le deuxième cas, les fils, qui sont la force collective de toute révolte possible, abandonnent leurs pères au nom du désespoir. Or, la politique d'émancipation n'est possible que si certains pères et certains fils s'allient dans une négation effective du monde tel qu'il est. Alors, quelques remarques de détail pour soutenir cette lecture. Dans tout le début, avec l'idée de réel politique, nous avons quelque chose que nous connaissons bien. Nous avons quelque chose comme une négation sans destruction. Je définirais cela comme une opposition au sens démocratique usuel. Opposition du genre de celle des démocrates contre Trump, ou en France du Parti socialiste contre la droite, ou plus généralement de la gauche contre la droite. Nous trouvons chez Pasolini deux excellentes définitions de ce type de négation. La première, c'est de la définir la prose de l'homme habile. Et la deuxième, c'est le classicisme protecteur. Donc, dans les deux cas, c'est le style artistique conservateur qui sert de comparaison. C'est parce que ce réalisme politique définit l'action politique uniquement comme un art du possible. C'est-à-dire comme une pratique de la répétition, car le possible, c'est ce qui est inscrit en réalité dans ce qui existe déjà. Dans l'ordre historique donné, le possible est précisément la répétition de cet ordre. Et dans l'ordre des pratiques artistiques, l'habileté et le néoclassicisme incarnent la répétition d'un ordre formel révolu. Dans ce contexte, Pasolini, je pense, a une sorte de vision splendide et mélancolique. L'armée des jeunes morts de la dernière guerre, et parmi eux, assurément, son frère cadet, Guido, viennent voir leur père, leur chef. Sans doute à l'arrière-plan, ce père, ce chef, est Gramsci, le père du communisme italien, dispersé dans les cendres de l'histoire. Et plus immédiatement, ces pères, qui ont survécu à leurs fils, sont les dirigeants de la prétention révolutionnaire des années 50 et 60. L'armée des jeunes morts, aveugle dans l'aveugle soleil, dit Pasolini, vient et attend dans la blancheur des monts, dans les paisibles plaines. Et alors ils voient leur père, leur chef, absorbés dans la très faible forme de la négation dite dialectique, cette négation qui n'échappe pas au pouvoir, cette négation qui n'est qu'une opposition. Elle est seulement une obscure relation avec le pouvoir lui-même.
Pasolini dira, c'est un mystérieux débat avec le pouvoir. Alors le père, sous l'œil de tous ses fils, antérieur à son propre pouvoir, n'est absolument pas libre. Il se montre enchaîné par la dialectique du pouvoir. La conclusion qu'on pourrait tenter de formuler de façon générale aujourd'hui, c'est que ce père prétendument politique, les laisse seuls, les jeunes. Nous voyons alors à quel point le problème est un problème d'aujourd'hui. L'armée des jeunes morts était du côté de la destruction, de la haine. Ils existaient du côté de la négation dure. Mais dans la survie de leur regard posthume sur les pères à venir, ils attendent une orientation, une négation qui puisse réconcilier réellement destruction et soustraction. Et ce qu'ils voient est que les chefs actuels les abandonnent. Alors il ne leur reste que la part destructrice de la négation. Ils n'ont plus pour eux que le désespoir qui ignore les codes. La description par Pasolini de la subjectivité de ces jeunes est très expressive. Oui, c'est vrai, ils étaient du côté de la haine, de la destruction. Ils étaient des jeunes hommes en colère. Mais maintenant, et la formule, je trouve, est frappante, la haine fait place à l'amour de la haine. Et c'est là que la subjectivité négative, la subjectivité critique, s'égare dans une sorte d'affect sans issue. Cet amour de la haine, cet amour, on peut dire, de la colère, vertu très souvent citée dans les commentaires aujourd'hui, la justification de la colère. Cet amour de la colère est au fond la négation comme pure destruction, sans aucun accès à la soustraction créatrice. Sans père, sans chef, il n'y a plus à nu que le cœur barbare des fils. La grande poésie, vous savez, c'est toujours une anticipation, une vision de l'avenir collectif. Ici, Pasolini décrit la subjectivité terroriste dont nous connaissons les effets. Il indique avec une précision surprenante que la possibilité de cette subjectivité parmi les jeunes gens est née de l'absence de tout espoir rationnel de changer le monde. C'est pourquoi il crée une équivalence poétique entre le désespoir, qui est la conséquence de la fausse négation, l'anarchie, qui est la version politique destructrice, et le libre amour de sainteté, qui est en vérité le contexte religieux du terrorisme, aujourd'hui encore, avec la figure du martyr. Cette équivalence est certainement bien plus clair aujourd'hui, à mon avis, qu'elle ne l'était il y a 40 ans, quand Pasolini écrivait Vittoria. Une fois encore, sondant son propre délaissement personnel par l'histoire, le poète nous a légué dans la langue et ses opérations une vérité éternelle, qui est celle des effets politiques de la déliaison entre les fils et les pères, entre le désespoir et la transmission, entre destruction et soustraction. Pour conclure, je voudrais dire que les problèmes politiques du monde contemporain ne peuvent être résolus ni dans le faible contexte de l'opposition démocratique, qui est l'équivalent au fond des pères aliénés, tels que les décrit Pasolini, parce que cette opposition démocratique, de fait, abandonne des millions de gens à un destin nihiliste. Mais ils ne peuvent pas non plus être résolus dans le contexte mystique de la négation destructrice, qui n'est qu'une autre forme de pouvoir, le pouvoir de la mort.
L'impératif, ce n'est pas de soustraction sans destruction, ni de destruction sans soustraction. Et c'est à vrai dire le problème de la violence aujourd'hui. La violence n'est pas, comme cela a été répété au siècle dernier, la partie créatrice et révolutionnaire de la négation. La voie de la liberté est une voie soustractive, se soustraire aux pressions organisatives du monde tel qu'il est. Mais il est vrai aussi, et c'est ce qui anime Pasolini, il est vrai aussi que pour protéger la soustraction elle-même, pour défendre le nouveau royaume de la politique émancipatrice, il est impossible d'exclure radicalement ou de jeter l'anathème sur toutes les formes de violence. L'avenir n'est pas, du point de vue politique, du côté des sauvages jeunes des banlieues populaires. Nous ne pouvons pas les abandonner à eux-mêmes. Mais l'avenir est encore moins du côté de la fausse sagesse démocratique de la loi des pères. Nous avons à apprendre de la subjectivité nihiliste pour que la transmission soit aussi l'invention d'impossible, étranger aux règles établies de notre situation. On peut le dire autrement, on peut dire le monde n'est pas fait de lois et d'ordre, mais de lois et de désirs. Apprenons de Pasolini à ne pas être, je le cite, absorbé en un mystérieux débat avec le pouvoir, et apprenons aussi à ne jamais laisser seul des millions de jeunes gens qui parcourent le monde, en particulier venus d'Afrique ou d'ailleurs, qui parcourent le monde dans la blancheur des monts ou dans les paisibles plaines et qui risquent de se voir dépourvus de toute orientation dans la figure de pères collaborateurs du pouvoir. Soyons particulièrement attentifs à ne pas écraser en politique les désirs de la jeunesse sous le fétichisme criminel du pouvoir national. Soyons aux côtés des étrangers, comme Pasolini nous dit d'être du côté des jeunes issus de la dernière guerre. Soyons du côté de ceux qui arrivent, de ceux qu'une dure épopée amène chez nous. S'orienter dans la pensée et l'action, c'est ici et maintenant savoir que la jeunesse ouvrière, venue d'ailleurs, et notamment d'Afrique, porte en elle le désir d'une telle orientation, et qu'elle doit trouver ici une nouvelle paternité. Et tenons tout simplement pour criminels ceux qui veulent les chasser. Vous savez qui. Merci. Le problème, c'est est-ce qu'il y a un micro qui circule ou pas, parce que sinon ça va être un peu compliqué. Alors, un peu de lumière et un peu de son.
Pasolini, pour vous, quel événement ou modèle politique révolutionnaire, j'imagine, incarnerait le mieux ce dont vous parliez, c'est-à-dire la synthèse entre les pères et les fils, donc entre la destruction et la toute soustraction? Est-ce qu'il y aurait une révolution qui viendrait en tête ou, pour vous, qu'est-ce que ce serait une action concrète politiquement, donc qui serait non ni du parlementarisme, ni d'une révolution nihiliste ou des actes isolés et subjectifs? Oui, je crois que si on cherche à lire dans les conditions du présent ce qui, déjà, chez Pasolini, est une métaphore, c'est-à-dire la métaphore des pères et des fils, il faut d'abord remarquer que, pour lui, le support historique concret de ça, c'est le Parti communiste italien. Et que, évidemment, le poème, bien qu'il soit écrit en 64, contient déjà, de la part de Pasolini, une critique du Parti communiste italien, en tant justement qu'il ait laissé la politique sous la loi négociatrice et parlementaire qui est celle des dirigeants, qui sont les pères, et qu'il a abandonné la ressource politique que représentait en réalité l'héritage de la résistance armée en Italie pendant le pouvoir mussolinien et l'occupation étrangère. Alors ces jeunes qui l'écrivent, qui ont connu ça, et parmi lesquels, évidemment, un des frères de Pasolini lui-même, les jeunes qui ont connu ça représentent une filiation politique qui sans doute s'articule sur violence et destruction, mais qui ne demandait qu'à rentrer, notamment dans l'immédiat après-guerre, dans une vision dialectisée de tout ça. Cette vision dialectisée, il constate l'absence parce que, finalement, les pères ont abandonné la ressource qui était contenue dans ses fils. Alors je pense que la question générale, qui est extrêmement importante, c'est en définitive comment se présente véritablement dans une politique émancipatrice, comment se présente la dialectique entre affirmation et négation. Ça, toute une histoire, puisque une interprétation de la dialectique a consisté à dire que l'affirmation pouvait naître de la négation. Alors c'est ce point qui est contesté par Pasolini, à mon avis, à juste titre. Ni la négation ne peut naître de l'affirmation, ni l'affirmation ne naît réellement de la négation. En réalité, il faut que quelque chose articule négation et affirmation dans une configuration inventée, une configuration neuve, qui à la fois se soustrait à l'ordre établi et en même temps le détruit suffisamment pour que quelque chose d'autre soit envisageable. Et au fond, ce que Pasolini condamne, c'est une double stérilité, en fin de compte. Une stérilité contrainte, dès lors que les deux voies se séparent, on a une stérilité contrainte des deux côtés. Parce que le côté des pères, ce qu'il appelle les pères, qui consiste au fond à s'installer dans le jeu démocratique parlementaire, à ne combattre que de façon électorale ou éventuellement dans un syndicalisme tempéré, etc., et d'attendre que tout ça se cumule. C'est une stérilité, et d'autre part, le passage, la formule est très forte, semble-t-il, le passage de la haine à l'amour de la haine dans la figure des jeunes est également quelque chose qui est en définitive une impasse, qui est une autoconsommation de soi-même. Je pense que c'est ça qui est au cœur du poème de Pasolini, et je pense que c'est véritablement un problème contemporain général, qui, à vrai dire, est le problème, au fond, de ce que nous sommes presque toujours confrontés, notamment dans les pays occidentaux, dans les tentatives de transformation effective de la société et de réalisation de l'idée communiste, nous sommes toujours confrontés à une espèce de juxtaposition antidialectique, en réalité, entre des soulèvements, y compris dans la jeunesse,
considérée en définitive comme une négation stérile, et des agissements électoraux, voire ministériels, du côté des partis dirigeants, y compris les partis communistes, qui sont également considérés comme stériles parce que ce réformisme est finalement impuissant. Et donc tout le cœur de la question politique contemporaine, c'est comment s'articule finalement l'affirmation et la négation dans une rencontre, dans une articulation qui ne privilégie pas l'autorité d'un des deux termes, même si au bout du compte, c'est l'affirmation qui doit l'emporter. Mais elle ne doit pas, au nom de cette vigueur stratégique, refuser, abandonner ou même combattre ce qui incarne à un moment historique déterminé la ressource de la négation. Voilà, c'est ça que raconte le poème. Oui, j'ai une question à te poser parce que j'ai cru comprendre que dans une partie de ton propos, il y avait un peu l'idée, mais je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, hein, qu'un croisement, une intrication entre soustraction et destruction pourrait être une voie affirmative. Voilà. Alors, je vois bien, dans destruction, il y a une forme de négation forte. On va dire soustraction, il y a une forme de négation faible. Et donc, j'ai tendance à penser que le croisement entre une soustraction et une destruction, comme j'ai cru comprendre que tu nous traçais la perspective, était une forme de double négation faible, puisque une négation faible, une négation forte. Mais justement, je n'arrive pas à comprendre comment ceci pourrait-il tracer la voie d'une affirmation. Je ne comprends pas très bien comment, mais peut-être t'ai-je mal compris, enfin, que tu faisais l'éloge d'une forme de croisement ou d'intrication possible nouvelle entre soustraction, négation faible, et destruction, négation forte, mais je ne vois pas comment une affirmation quelconque pourrait en procéder d'une façon, d'une nouvelle intrication entre négation forte, faible et négation forte. C'est-à-dire une nouvelle figure de la double négation. Donc voilà, j'ai pas bien saisi. Peut-être que je me suis trompé à te suivre. Oui, je comprends bien ta question. En vérité, ce qui est nommé paradoxalement, ce qui est nommé soustraction par différenciation avec en fait la négation chez Pasolini. Détient l'affirmation. C'est-à-dire que par soustraction, il faut entendre ce qui se retire de la configuration dominante pour en proposer une autre. Et donc, c'est une dialectique, en vérité, de la négation et de l'affirmation, mais sous le règne de l'affirmation. Tandis que la négation, en tant que négation, en quelque sorte, romantico, elle doit être assimilée à la destruction. Parce que soustraction, ça indique finalement un processus dominé par l'affirmation, même s'il contient la négation, et de l'autre côté, l'amour de la haine, c'est quelque chose qui finalement bascule dans une négation sans affirmation véritable. Bonsoir Alain, merci pour ton exposé. Je cherche à t'interroger justement dans la continuité de ce qui a été dit à l'instant. Un peu plus fort, putain. Là, je suis audible en même temps. Oui, je disais, en fait, je vais te poser la question sur fond de ce que tu as répondu à notre ami. Bonsoir, je pense. Est-ce que ce que tu appelles soustraction, est-ce une résistance à ce que tu as nommé dans ton petit livre « La recherche du réel perdu » le réel, la réalité intimidante nous impose le capitalisme, c'est-à-dire comment se soustraire de cette intimidation, cette intense intimidation que nous impose le capitalisme, enfin, ce semblant, hein, de parlementaire ou opinion divergente, et avec un programme,
avec un programme, ce que tu appelles discipline, l'esprit de l'enquête, pour comprendre pourquoi les tentatives comme Nuit debout, Les Indignés, Copérieur Strike, ou même Le Printemps arabe, pourquoi ces tentatives échouent? Pourquoi c'est les anciens qui reprennent toujours le pouvoir avec de nouveaux visages? Et deuxième question, j'ai remarqué lors d'une rencontre les siennes, que nous avons organisée il y a quelques années, lors de la conférence qui a été donnée, que tu as donnée, Tentation, violence et bonheur dans le monde aujourd'hui, tu te souviens, c'était à Turgo, puis a appelé à la fin de la conférence à une alliance entre les seniors et les jeunes, parce que ce sont les victimes de cette société, et la réalité t'a donné raison à l'épreuve de cette crise sanitaire et d'autres. Et là, tu as utilisé une autre structure, en fait, de cette alliance, que tu rappelles, cette réconciliation, appelée presque sans dire le nom, entre le père et le fils, c'est-à-dire entre les parents, enfin, le père et l'enfant, pour se ressouder et se soustraire de ce réel. Est-ce que ce que tu as donné aujourd'hui, c'est ce qui s'inscrit dans la continuité, ce que tu as clôturé il y a 5 ans dans les annonces de vérité? Des vérités, bien sûr, que tu proposes, des quatre conditions. Voilà, merci. Je ne suis pas sûr d'avoir compris tout ce que tu dis, mais ce sur quoi je voudrais revenir, c'est qui est donné dans la complication verbale, en fait, chez Pasolini. Hein. C'est un peu sur quoi on est. C'est-à-dire, en effet, tout repose sur quelle est la signification exacte de soustraction. Je pense, si on veut élucider réellement le système des questions qui tournent autour de ça. Je pense que soustraction, si on cherche un exemple, ça voudrait dire la capacité, par exemple, du parti, puisque c'est lui qui est les questions, et il était là, d'être interne au parlementarisme, peut-être, mais dans une modalité soustractive, c'est-à-dire dont de telle sorte que son appartenance à ce dispositif soit aussi et en même temps la critique de sa vacuité du point de vue des intérêts de l'humanité en général. Et c'est pour ça qu'il dit soustraction. Et la soustraction, ça veut dire que le père doit agir là où il est de façon soustractive, c'est-à-dire en trouvant les moyens de ce qu'on pourrait appeler une négation immanente, une négation intérieure à ce qu'elle nie. Tandis que la figure du fils, c'est une figure qui porte une négation extérieure, c'est-à-dire qui est le phénomène d'apparition d'une extériorité radicale. Et alors, ce que je pense qu'il faut comprendre Pasolini en profondeur comme la menace dans les deux cas, s'il n'y a pas en effet ce que tu dis, s'il n'y a pas jonction des deux, s'il n'y a pas père et fils, c'est que la soustraction des pères, la sage soustraction des pères, va en fait perdre sa qualité négative. C'est-à-dire, à force de prétendre qu'on fait cela, mais pas vraiment, etc., etc., en réalité, on va le faire vraiment. Autrement dit, ça va devenir une intériorité au système dominant. Et que, de l'autre côté, la négation pure revendiquée par les jeunes va rester, elle, en totale extériorité. Mais cette totale extériorité fait qu'en réalité, elle est suicidaire. Ou, comme le dit de façon assez forte, que la haine, qui est un sentiment adressé, va se transformer en un sentiment intérieur, qui est l'amour de la haine, et qui est sans prise réelle sur le monde comme il est. Alors, je crois que c'est très intéressant, parce que ça indique que quand il y a que les deux éléments de la dialectique doivent toujours être saisis dans leur devenir, qui est de se diviser à nouveau
à l'intérieur de leur propre division. Bien qu'en réalité, si on faisait un récapitule complet de ça, on dirait que dans la dialectique politique, en définitive, il finit toujours par y avoir quatre termes, et non pas simplement deux. Parce que chaque terme est confronté historiquement à une position dialectique. Et donc, en vérité, la maîtrise politique, c'est la maîtrise de ces quatre termes dans leur jeu extrêmement complexe, qui fait que, et qui sont définis comme le père et le fils. Parce que le père, au fond, il est divisé lui-même entre le fait qu'en tant que père, il est le porteur, d'un système et d'une loi, mais qu'en même temps, il se présente comme un père révolutionnaire, un père qui veut transformer le monde, ce qui entre qui crée une difficulté avec l'intériorité effective. Et c'est ça que dit soustraction. Qu'est-ce que c'est que se soustraire? Et de l'autre côté, de l'autre, mais c'est qu'est-ce qui fait qu'on ne va pas passer de la haine à l'amour de la haine? C'est-à-dire de ce qui est adressé vers l'extérieur à quelque chose qui est en réalité une jouissance intérieure. Bien que c'est symétrique aussi. Comment le père peut-il être extérieur alors qu'il est intérieur, et comment le fils peut ne pas être intérieur alors qu'il est extérieur? C'est comme ça que ça marche, que ça devrait marcher. Bon, écoutez, merci à vous.